Quelle bagnole de merde. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme swap, c'est une vraie merde. Une merde. Maman, la bagnole. Maman, t'en as une belle auto toi là, là. Tu trouves? Ouais, pas mal. C'est quoi? C'est un 324 TD swap. Swap quoi? 3 litres DM57. C'est quoi, 184, 193? 193. Je les connais par cœur ces moteurs-là alors. Bah j'ai plus de gasoil qui arrive, donc si tu veux viens voir. Je vais venir jeter un oeil. Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas ce qu'elle a. Je suis en train de la régler, ça marche. Elle est vrament belle l'auto là. Ouais, mais bah, pour l'instant ça. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Rien qui va. Bah, je sais pas, là, je suis en train de la régler, j'ai plus de gasoil qui arrive. Putain, ça passe au chausse-pied là-dedans. Hein. Ouais, c'est limite. Hein. Je sais pas ce qu'elle a. Elle mouline, mais j'ai plus rien. J'ai calé. Elle a calé en roulant. Je râlais, j'ai eu perte de puissance, plus rien à la pédale et puis. Vas-y, là, va mettre le contact, voir là. Fais juste le contact, voir. Contact là. Elle tourne pas la pompe là. Tourne pas. Eh, elle doit être fatiguée là, t'as pas un petit bout de clé plate comme ça, je tapote dessus un peu là. Fais juste le contact, je vais tapoter dessus, elle va repartir. Tiens là, c'est bon, démarre. La pompe, elle est fichée, la pompe là. Tout à l'heure, je me tue, je croyais que c'était mon capteur rail qui déconnait. Parce que des fois, il déconne. Ouais, eux là, les costes là, c'est la maladie là. C'est ça qui déconne. Elle rouille là, mais c'est elle des fois là. Elle a son maladif un peu là. Ouais. Elles sont pourries quoi. Faut que tu la changes. Oh, bah je vais les changer de toute façon. Non, mais c'est carré. C'est une belle auto en tout cas. Ça doit marcher avec le stop que t'as fait dedans là. Hein, ça marche pas là. Ça sort quoi en chevaux? T'as passé au banc déjà, voir? Non, je suis pas passé au banc. Là, je viens tout juste de finir. J'ai jamais vu, t'es d'où toi? Moi, je suis de la Membrolle. J'ai jamais vu, elle est belle ton auto, elle est vraiment belle. Ouais, merci. J'aime trop ces autos là. Je t'ai jamais vu, toi, t'es d'où? Moi, je suis de Montplaisir, moi, je suis Angers là. D'Angers, t'es? Ouais. Je roulais avec un petit 325 TDS, moi aussi. 325 TDS? Ouais. Un phase 1 là. Moi aussi, j'ai une 325 TDS. Une camouflage, tu l'as jamais vu? Ah, 35... ça me dit quelque chose, ouais. 325 TDS camouflage bleu, blanc. Oui, ça me dit. Il y en a une autre aussi, une jaune bizarre et tout là. Ouais, c'est ça. Une break? Ouais, ça va pas. Ah, si, je vous ai déjà vu en ville, vous. Je vous ai déjà vu. Bah, passe chez moi si tu veux. T'es où? À la Membrolle. Et bah, vas-y, je passerai te voir. T'as un numéro de téléphone, t'as un snap? Vas-y, je te donne ça. Tiens, c'est bon, c'est moi ça là. Babas. Babas pilote. Babas pilote, c'est moi. Tu driftes un peu, non? Mon pauvre garçon. je t'emmènerai faire un tour dans ma TDS, tu verras, c'est une vraie TDS. Vas-y, là, suivant, ça trappe. Il y a Rasso vendredi, au champ. Ah ouais? Ouais. À quelle heure? 21h comme d'hab? Ouais. Bah vas-y, je passe avec ma TDS, tu verras, c'est quoi une vraie TDS. Vas-y, je suis chaud. Si tu tombes en panne, n'hésite pas à m'appeler. Hein. Vas-y. C'est qui ce fou? Ouais, là je suis sur la route, t'inquiète, j'arrive dans 5 minutes même pas. Là, ça fait 25 minutes, tu t'es cru aux Antilles ou quoi toi? Ouais, ça va, tranquille, je viens de me lever là. Ouais, bah active à démonter tes pièces, on ferme après là. Tu m'as préparé mes moteurs à l'épreuve télé ou quoi? Tout est dans le fond. Vas-y, c'est carré, bah je vais aller voir ça. Et tatatatatat, non, c'était tout. Ça marche. Ouais, vas-y, je dis pas le démon, je passe à la télé.
Putain, mais y'a pas où passer là. Ouh. Ah, le tour, je la mange. Non, je la mange. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais y'a pas de place dans l'auto pour travailler, ça m'a énervé, j'ai mangé le pare-brise. Mais je te connais, toi. Oui, bah oui, on s'est déjà t'es, dit. T'es le gars de la Twingo. Oui, c'est moi. Ah, la veille, je me rappelle. Je t'ai attendu le vendredi au rasso, t'étais pas là? Non, j'ai pas pu venir. Tu fais quoi là? C'est quoi qui va pas là? Je démonte la pompe HP là sur le Kangoo là. C'est quoi comme ça? Un litre 5 DCI 65. Bah non, mais vas-y, mange-toi pas la vie. J'ai un bloc tout neuf chez moi. Il a 100 000. Bah vas-y. Je te le donne, combien... tu me suis? Ah, tu me le donnes? Moi je te le donne, je m'en fous. Bah. Allez, ça me prend de la place. Range tes outils, tu vas pas te prendre la tête à faire ça, t'inquiète, allez, j'en ai un. Je range juste mes blocs, 1 litre 9 TDI. Et puis. T'inquiète, suis-moi jusqu'à chez moi, t'inquiète. Eh ben vas-y. Je te prends pas la tête. Je te prends le moteur, si tu me le donnes, c'est gratuit, je te le prends. Bon, t'es venu faire quoi toi ici là? Bah moi je fais sport. Je récupère un litre 9 TDI, un injecteur pompe. Les moteurs PD. Ouais, c'est comme ça qu'ils appellent au Portugal. Ouais, au Portugal, ils appellent ça. Ouais, ça fait bien quoi, 3 semaines à moi qu'on s'est pas vu, que je t'avais vu, qu'on s'est rencontré là? Bah oui, ça fait un petit moment maintenant, oui. Non mais vas-y, t'embête pas, hein. je vais te donner un bloc directement. Ah oui, je vais sur ta moteur, je vais pas te faire chier, t'as raison. Ah je te vois, t'es en train de te manger la vie, t'as même mangé le carreau du camion. Une crise me prend, je casse tout, après c'est trop tard. Ah oui, voyez, j'entends crier, je regarde mes moteurs, j'entends hurler, je sais quoi ça, je vais aller voir par là. Et ta voix elle me disait quelque chose. Je dis bah non, bah c'est l'autre de la dernière fois. Ah oui. T'es bien. Non mais vas-y, bah suis-moi, t'as quoi comme voiture, t'es venu avec quoi là? Je suis venu avec ma petite 335i. Ah oui. Pas mal. Pas mal. Je suis venu avec ma Mégane. J'ai un analytique 16. Ah, c'est pas mal, c'est 4720. Un monstre. Allez. Salut les potes, j'espère que ça gaze. J'espère que notre petit court-métrage vous a plu, parce que nous, ça nous a plu. Ouais, très fort. Au Kangoo, peut-être un peu moins, ouais. Bon, on vous a sorti la E30 aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. On vous laisse sur des jolis plans de... la petite Audi 1. 1 litre de TFSI. 85 chevaux. Un Onosco bas. C'est quoi? C'est un 1 litre de 4 cylindres ça du coup? Ouais. 1 litre de 4 cylindres, 85 chevaux? Ouais. D'accord, donc c'est un TFSI? Exactement. C'est un turbo? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc on va... Et là du coup tu lui mets un stage à l'intier? Exactement. On va voir s'il y a une vraie différence ou pas. Ouais. Parce qu'apparemment ça annonce quand même 55 chevaux de plus. Exactement. Tu vas mettre un chrono, on va prendre quelques petits chronos juste pour voir. Ouais. Pour rigoler, tu vois. Là genre je vais freiner un peu, je vais essayer de partir devant. Je vais faire une reprise à 50, 100 pour voir. C'est toi qui doseras quand je suis à 50, tu mets le chrono, donc regarde bien le compteur. Je vais ralentir un peu encore. Top. Dis quand t'as 100. Top. 8 secondes 84. Quasiment ouais. 9 secondes. 50, 100. C'est long. On va recommencer. Ouais, on commence parce que... Pour être sûr, on va recommencer pour être sûr, voir qu'on si on est bien. 8,84. Vas-y, t'es prêt? Top. Ouais, on va dire 9 secondes. Ouais. Bon, on va essayer un 50 à 100 en 2. T'es prêt? Quand je suis top, tu mets le chrono. Top! Top! 8 secondes 96. On va dire c'est 9 secondes aussi, quoi. Ouais. Donc en fait, elle est pas plus performante en 2 qu'en 3. C'est incompréhensible. C'est trop bizarre. On va faire un 0 à 100, première, deuxième. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est au moins 14 secondes. C'est énorme, 14-15 secondes. Après, on est 3 aussi. Hein. Ouais, mais c'est pour ça, faut qu'on fasse les... On va la carto, et on va faire l'essai après les 3 dedans, pareil, la voiture avec exactement pareil. T'es prêt? Vas-y. Top. Tu me dis top à 100. Secondes. 12 secondes pile. 12 secondes. Impeccable.
des câbles, d'accord. Tu retiens, ouais. 9 secondes en 3 et en 2, le 50-100. Première, deuxième, pour aller à 112 secondes, d'accord. Moi, ça me paraît bizarre. On va refaire un... je vais faire à ma façon pour voir si on gagne du temps. On va refaire un 50-100, deuxième, et je vais passer ma 3 un peu avant, voir. Parce que le turbo, on dirait, s'essouffle. T'es prêt? Attends. Tu fais quoi, un 50? Ouais. Vas-y, subis, top. Top. J'ai l'impression que ça s'est arrivé à 90, ça s'essouffle. Ouais, pareil. Non mais pareil. Pire. Non mais pareil. Ah non mais quasiment, ouais, ouais. Quasiment 9 secondes. J'ai failli le truc, mais c'est quasiment 9 secondes. Bah là, tu trouves un beau parking là. Un beau parking. Ouais. Bah, t'as pas ton matos avec toi là. Si. Comme ça, j'ai fait une belle carte de parking. Bah, on va se mettre dans la campagne. Ça va être magnifique la campagne, non? Donc, t'as pas besoin de brancher, passe. C'est 40 secondes d'écriture. On dirait à Médo qu'on a mis le stab. Aïe. Calculateur planté dans la campagne. T'es bien. Allô, ouais, faut venir me chercher là. L'auto, le calculateur, il a pris feu. Nono. Nono. Nono, ta bagnole, on va pas te la redonner. Mec, non. Injecte-moi donc le fichier là. Ça sort quoi, on coupe ça? 250 NM. Carto ou d'origine? Carto. Et d'origine, ça sort quoi? Je sais pas. Ça doit sortir 180. Ouais, c'est ça. Bon, les potes là, on injecte une carto sans stabilisateur de batterie, il faut jamais le faire. Nous, on le fait parce que... Pour l'amour du risque. C'est bon? C'est bon. Les phares, c'est ok. Démarrage de la communication. Écriture en cours. C'est long ou pas? Ouais, les continentales en général c'est rapide. Ouais, normalement. 1 minute 48. 2 minutes. J'espère qu'il y aura quand même une diff. Bah, je pense qu'on va le sentir quand même. Ah, 50 chevaux. Ouais. Puis ah, le comportement d'une voiture carto et d'origine, ah, c'est pas incomparable, frère. Non, 55 chevaux. Ah oui, non, t'es faux. On passe de 85 à 140, non, si. Ouais. Si, je pense qu'il y a une bonne diff. Là, il est au courant que Nono, après, il va avoir un bolide dans les mains, là. Bah, je vais essayer de lui faire un petit stage de conduite avant qu'il la récupère, mais... Ouais, parce qu'il va faire mal, hein. Ouais. Même, je pense même les portes, les ailes, tout va voler. On m'a au gobe. T'es pressé, là? On va voir comment ça... Ça tire. Je vais voir quand je tire une 2 si... Les pneus, ils grattent. Si quoi? Si les pneus, ils grattent. Ça fait quoi comme bruit? Pas mal. Là, la Mégane, quand je tire une 2, elle fait clac clac clac. Il a une caisse à caisse. En fait, on a tous les deux cassé nos voitures. Ma Cupra, elle est cassée, sa Mégane, elle est cassée. Je suis dégoûté. Donc là, on est en dépression. Ouais, on est en dépression totale. En dépression motée. Ouais, moi j'ai la maladie 3. La maladie des Renault. Courant d'accessoires qui s'est pris un distri décalé, une soupape de tordu. Une soupape ou deux, faut que je démonte. Je pense que je vais mettre ressort soupape titane. Rebraquage Mégane 3 RS, turbo Mégane 3 RS. Aïe, demain. Aïe, la bagnole. Oui, d'accord, c'est ça. Oui. Bon, c'est injecté, on démarre. C'est le moment de vérité, soit ça démarre, soit ça démarre pas. Si ça démarre pas, c'est en panne, si ça démarre, c'est pas en panne. Alors, il y a le défaut moteur déjà, donc c'est pas mal, on démarre. Il y a un souci. Ouais, il y a un problème. On a cassé un truc. On coupe, on démarre. Ouais. Après, c'est logique, hein, des fois, ils font des trucs bizarres. Vas-y, Bousson, on va la rouler un peu, peut-être ça va partir. Elle accélère pas. Quelque chose pour remettre ou pas, là? Ouais. Oh les conneries! Qu'est-ce qu'il a fait? L'auto à Nono, il est mort. Mais là, le problème, c'est qu'on fait comment là? Non, mais là, rigole pas, on fait comment? Hein? On fait comment? Bah, elle est morte, hein? Ouais. Monte, on va rentrer comme ça, nique sa mère. Vous voyez pourquoi faut jamais écrire sans passe, sans stab? Pourquoi? Bah, parce qu'il regarde les conneries. Allez, bah, tu fais quoi? Là, du coup, je suis en warning. J'ai tous les voyants possibles d'allumettes à votre bord. Voyant anti-patinage, voyant de crevaison. Voyant 2 PC, voyant moteur. Voilà, on va réussir peut-être à prendre 30. Ah, on a pris 30. Ah, pas mal. Ah, je vais peut-être réussir à prendre 40. Ah, tu vois que ça marche bien. En fait, j'ai fait une carte qui enlève des chevaux. Bon, du coup, nous revoilà. Avec un nouveau fichier. Parce qu'apparemment, l'autre fichier a planté le calculateur. Il était pas bon, je sais pas ce qui s'est passé. Non, la torque monitoring était pas bonne. Ok, d'accord. Du coup, là, c'est réglé. Ok. Donc là, on démarre. Donc là, on voit ce que ça donne. Plus de défaut, plus rien, c'est bon. Ouais, c'était bien ça. Plus rien, elle a du gaz. C'est bon. Donc là, stage 1, annoncé 140, 250 NM. 130, 140 chevaux, 200. 140 chevaux. 140 chevaux, 250 NM. Ouais, à peu près. Ok, d'accord, bon, on va aller voir ça. On vous laisse sur les jolis plans d'essai, en stage 1. Bon, les potes, nous revoilà carto. On a la chance que derrière, il y a une chichinette, donc elle roule à 50, donc on va pouvoir se mettre à 50. James, tu lances ton chrono. Top. Top. À 6 secondes 20. Ah, oh, putain, on a gagné combien? 2 secondes. Allez, on était 2 secondes 7. Ouais. C'est beau, hein? En vrai, et c'est sur la 2. Ouais. La 3, t'es plus performant, ouais. Je trouvais, moi. Ouais. On va réessayer en 3 pour voir.
Si, attends, on a gagné beaucoup de... Ah putain. Ouais. Bah, par contre, au ressenti, on dirait pas qu'elle tire beaucoup t'as plus. T'as vu? Ouais, mais si, moi je le sens. Si, vu que moi je regarde pas la route, je l'ai senti tout de suite. Ah ouais. Ouais. Vas-y, prépare ton chrono, je me mets à 50 km/h. Top. C'est en 3, prends plus fort. Bah oui. Oh là là. Top. Ouais, 6 secondes 7 là. Moins fort alors. Ouais, moins fort. Allez, donc là, la 2 est beaucoup plus forte qu'avant. Ouais. Ok, d'accord. Donc on a quand même gagné 2 secondes 5, 2 secondes 7 exactement. Ouais. En deuxième, le 50-100. Et en troisième, on a gagné 3 secondes. Ouais. Non, 2 secondes. On est à 0 à 100 là. Tout à l'heure, on était à 12 secondes 0 à 100. 12 secondes, on va voir. Ouais. Mais là, maintenant, elle patine beaucoup par contre. T'es prêt? Oui. 1, 2, 3. Oh, j'ai l'impression qu'elle a réussi à pas patiner. Il te passe. Ouais. Top. 9 secondes 5. 9 secondes 6, ça va, parce que j'ai mis un petit peu après. Donc ça fait qu'on était à 12, on a gagné. Ouais, en fait, on gagne 3 secondes partout, j'ai l'impression. Ouais, on gagne 2 secondes 5 à peu près. C'est beau, hein, en ouais. vrai. Ouais. Donc on gagne 3 secondes. 50-200, 3 secondes ça paraît quand même mine de rien. Bon les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous en tout cas on a pris plaisir à la faire comme d'habitude. On tenait à vous dire, moi et mon petit James ici présent, que bientôt les 100 000, nous avons hâte. Parce qu'on vous réserve une petite surprise pour les 100 000. Donc voilà, j'en dirai pas plus. James, qu'as-tu à dire? Je pense que vous allez être très content de la surprise des 100 000 abonnés. Bah nous aussi on va être content. On va être content de faire plaisir, on va être content de plein de choses. Donc voilà, donc surtout n'oubliez pas de vous abonner et mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu. Kiss. Kiss.